Ouais, salut à tous, comment ça va les amis? Bon, ça y est, je crois qu'il va faire jour dans le jeu, donc je vais pouvoir lancer le live. J'espère que tout le monde va bien. Ouais, je prépare 2-3 petits trucs et on va lancer. C'est parti pour... Allez, à 1h30 de live jusqu'à 17h. Et puis je vais vous faire un petit résumé parce que ça a été chaud ce week-end, même si c'est pas passé grand-chose en termes de live, mais ça a été chaud sur le jeu. Et donc je vais lancer ça tout de suite. Allez, c'est parti. On va lancer Scam. On va lancer. On va couper la musique. Ah, c'est non, moi ça va. Non, ça va, ça va. Ça va, mais faut que je vous raconte un truc. Que je vous raconte un truc. Bon, la base est encore là. C'est la bonne nouvelle. Enfin. À demi bonne nouvelle. Donc là, le soleil va, le jour va se lever. Pour faire simple, les amis. Yo, salut Alien. Salut, bah, salut à tout le monde. Hein. Salut à tous ceux qui sont là. Pour faire simple, pour ceux qui ont suivi le début de la saison, vous saviez que sur mon île, là où j'avais ma cabane, j'avais du stuff, beaucoup de stuff. Et commencez pas à dire, ah, je sais, t'as tout perdu. Non, c'est pas ça. Ouais, aujourd'hui c'est du solo aussi. Ouais. Toujours pas récupéré sa connexion gros ship. D'ailleurs, il vous passe le bonjour. Et pour répondre à Alien, pour le moment, non, mais envoie-moi quand même les infos en privé, je te dirai, je te tiens au courant. Ce qui s'est passé pour ceux qui ont suivi la saison, hier soir, mais très tard, mais quand je dis très tard, on va dire tard. On était peut-être 1h30, 2h du mat. Je décide, quand il y a moins de personnes sur le serveur, de prendre mon sac à dos, mon sgeg et mon couteau, pour faire simple. Je suis allé presque à poil récupérer un sac pour ramener toutes les armes que j'avais, comment dire, bah, sur l'île pour la ramener ici. Bref. Et donc j'y vais, je me balade, fais un petit tour sur la map. On court, j'arrive là-bas, je traverse la nage, je déterre mes coffres, remplis mes poches. Donc de mémoire, il y avait 3 AK, il y avait mon snipe, il y avait 2 fusils à pompe, il y avait plein de chargeurs, des balles et compagnie. Bref, je remplis le sac complet. Et puis, il y a quelqu'un qui pose une question sur le chat, répond et tout. J'avais préparé un coffre parce que pour traverser la nage, c'était un petit peu compliqué. Et... Je me suis fait tuer. Il y avait un mec sur l'île qui m'attendait. Je pense qu'il était là depuis peut-être au moins une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Je pense qu'il était là tous les jours jusqu'à me croiser. Le mec, il a dû passer jour et nuit sur l'île, m'a tué et j'ai tout perdu. Mais tout. Le snipe, les lunettes, le chargeur, tout ça quoi. Il y a plein de trucs. Qui ont été perdus, donc très énervé. Yo Blaze, très énervé, je suis allé faire un bunker dans la foulée, j'ai eu 2-3 petits trucs, mais ça suffira pas pour rattraper tout ce que j'ai perdu. Bref. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, bah en fait, je suis allé à ma base chercher tout mon stuff, et il y avait un mec qui campait sur l'île. Il était 2h30 du mat, hein, pour te dire, donc le mec... Ça peut pas être du streamer parce que j'ai fait ça en live évidemment. Et bah, le mec m'attendait et moi j'étais en mode bon, 2h30 du mat, il faisait nuit en plus dans le jeu, tu sais le truc. Tranquille quoi. Et je me suis fait déglinguer. Non ouais mais c'est les mecs d'à côté. Mais je sais pas à tour de rôle, les mecs étaient là non-stop. Ah, franchement, tranquille. Salut Charo. Comment ça va? Ah non mais c'est sûr, non mais le mec à 2h30 du mat sur une île. Bah il n'y avait pas de vaseline là, c'était. Ah j'ai encore les. Ah je te jure, j'étais comme. Oh! Un truc de dingue quoi. Non mais genre j'y vais pas depuis 10 jours. 10 jours je retourne pas à ma base. Hier il était tard avant de me coucher, je suis vas-y, je vais ramener le loot. Il me servira plus ici que là-bas. Bon, rien de particulier quoi. Presque personne sur le serveur.
Et le mec était sur l'île, un truc de dingue. Au même moment, la poisse, quoi. Ah non, mais c'est un truc de ouf, la poisse. À moins que le mec, il y soit tous les jours. Alors, ça, non, ça s'appelle de la chance, mais pour lui, quoi. Incroyable, incroyable. Jamais vu ça. Donc, le Mosin avec la lunette de Barrette, les chargeurs, tout, 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 tout est dans bien profond, hein. Bref. Ah oui, et je vous ai pas dit. En même temps, j'avais l'arbalète du mec que j'avais buté hier avec. Vous savez, la lunette et tout, que j'avais violé. Volé, pardon, sur le gars. Violé, c'est moi, pardon. Non, mais il était full équipé, le mec, hein. Genre, vision nocturne, le gilet pare-balles, le snipe. Enfin, non, il m'a tué. Ouais, il m'a tué avec un snipe et tout. Mais dingue, quoi. Genre, je vais jamais, mais jamais, jamais là-bas. J'aurais pu être en live, j'aurais fait, ouais, stream hack, la poète, blablabla. C'était ni en live. Il était 2h30 du mat et j'y vais jamais, j'ai prévenu personne. Un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bref. Si je stream longtemps ce soir, en fait, j'ai pas prévu de streamer. Je m'en veux pas. Enfin, j'ai prévu, mais pas sur Scum. Je vais tester la nouveauté. Je dirai pas le titre. Comme ça, je veux pas que vous ayez fouillé à droite à gauche. Ça n'a rien à voir avec Scum et tout. Hey, salut, salut Alex. Mais voilà, je vous partage. Ceux qui aimeront pourront rester. Ceux qui n'aimeront pas, ils pourront partir, malheureusement. Mais c'était pour changer un petit peu. Et c'est pas un jeu de survie, mais c'est un jeu d'angoisse. Voilà. Je vais prendre juste ça sur moi. Donc, du coup, bah, j'ai presque tout perdu. Mais c'est grave, c'est grave, franchement. Dégoûté, quoi. Mais dégoûté, quand je te dis dégoûté, c'est le vrai dégoût, quoi. Bon, c'est quoi? Je vais laisser l'arc là, je vais juste prendre l'arbalète. Tac. La hache non plus, je la prends pas. Ok, on va y aller comme ça. Avec un gun, l'arbalète et... Juste prendre un couteau si j'en ai un quelque part. Ouais, je vais prendre ça juste pour couper les chiffons. Ça fera l'affaire. Allez hop. Non, c'est... Au bout d'un moment, au point où j'en suis, moi... Oh, il n'y a plus rien qui m'atteint, sérieux. Pratiquement, hein. Un truc de dingue, quoi. Un truc de dingue, quoi. Ah ouais, je vais au bunker, mais... Non, mais... Je sais pas si vous vous rendez compte, la coïncidence, quoi. 2h30 du mat. Presque personne sur le serveur. Oh, tant pis. Il y avait presque personne sur le serveur. Et je tombe sur le mec sur une île, quoi. Une île. Tu sais, c'est pas au milieu de la map, quoi. Hier, on arrête une balle. Le mec a construit en hauteur sur un rocher. Sur le spot B2. La Tyson aussi, il est construit sur un rocher, je crois. C'est pas sa base. Ils ont construit sur un rocher avec une tour en haut du rocher. Mais ce coin a laissé un quad, on a réussi à le faire monter le quad au pied des fondations sur le rocher. Ah! Ah oui, c'est con ça. Ça, c'est un peu con ça quand même. Bon, là, le souci, c'est qu'il y a du monde sur le serveur. Bah, en même temps, il y en a qui usent bug construction, donc. Ah, c'est beau cette mesquinerie. C'est beau. D'ailleurs, je voulais tenter un truc sur ce bunker. Attendez. Jamais on est rentré par la porte principale et il y a deux bureaux à l'entrée. Et parfois, il y a quand même du loot sur les bureaux. Non, non, il n'y a pas de juste bug, non. Il n'y a pas eu besoin. Vérifier que l'arbalète soit chargée. Ça, c'est bon. Ah, je voulais juste vérifier que j'ai pris les flèches. Il a bloqué leur véhicule sur la mienne. Et comment ils ont fait? Ah, pour passer par-dessus? Oh. Sérieux, ça, c'est...
Ouais, ça c'est chiant ça. Utiliser les bugs du jeu comme ça, c'est chiant. Ça passe, ça passe. Je vais faire les deux box là-bas parce que. Donc, il y en a déjà une boîte de cartouches là. Parce que je suis sûr qu'il y a moyen que. Parfois, il y a des armes posées sur le. C'est quoi ça? Ah. Il a cramé quelqu'un là? Ou c'est Elix qui fait du son? Il y a Elix qui a fait le son, mais le mec il a vraiment. Le mec a cramé quelqu'un par contre. Ah, et ça, il joue avec les nouveaux sons, il est en train de m'embrouiller. C'est pas moi qui l'a cramé là. Hein. Effectivement, c'est pas moi là. Oh le con, putain! Ah l'enfoiré, il est en train de m'afficher devant tout le monde! Je pensais qu'il est dans le buisson? Ouais. Bah parfois c'est moi le noob. Vous voyez tirer en haut moi. Ouais. Est-ce qu'il est pas devenu blanc, est-ce qu'il l'a pas tué par hasard? Le mec il a dû prendre cher quand même. Hein. Sauf que j'ai pas envie de me faire cramer tout de suite parce que sinon ça va être plus difficile de le prendre par surprise le mec. Bah s'il est là en tout cas. Ça commence bien. Ah, ça m'emmerde de rentrer, mais j'ai pas le choix là. Ah bah là c'est mort. Merde. Ah le con. Je vois un truc dans le buisson, mais je suis pas sûr là-bas. Attendez. C'est quoi la 3 là? Où ça? Ah oui, c'est je suis en A3. Là. Non, c'est un bug de buisson. Patienter un peu, mais le problème c'est que je sais qu'il est de ce côté là quoi. Mouais. Mouais.
Bon, je vais ressortir, je vais faire le tour comme je comptais faire. Et on verra bien là. Maintenant il est chaud le mec. Hein. C'est que j'ai juste une arbalète quoi. Ouais, ça commence fort. Le problème, c'est ouais. Enfin, vous avez compris le problème. C'est je peux pas y aller parce que je pense que le mec il est encore là. Alors, je peux pas rentrer normalement. Et il y a trop de buissons autour pour. Il faudrait pas qu'il m'arrive dans le dos, le mec. Maintenant il sait que je suis là quoi. Ça c'est chiant. En tout cas on est synchro, on est arrivé au même moment. Je vais être obligé de courir hein, pour aller vers les box. À mon avis, comme sur ce serveur, il y a les reboots officiels. Je pense que le mec il voulait rentrer sur le serveur avant que ça reboot. C'est dans 9 minutes. Super, je suis pas venu pour ça. Hein. Fais chier. Pas avoir des games tranquilles là, genre y a personne et tu. Tu me donnes 2-3 barrettes d'un coup et puis on n'en parle plus quoi. Non. C'est pas possible. En fou, je suis cramé, mais je vais me servir de la porte. Putain, merde. Putain, le con. Ah putain, mais c'est le son là. Oh, Elix se déteste. Ouais, bah. Putain. Hey, j'aurais jamais dû penser à mettre ça. Putain, le con. Je suis en train de regarder partout. Je fais, mais il est où? Bon, par contre, la porte est fermée. Vous avez vu, il y a un mec qui. Ah bah ouais, je me dis, non, merde. En plus, il me rajoute le mec à qui bip. Bon, allez, je vais ressortir, je vais faire le tour. Ça manque le petit accord quand même. Hein. Quel enfoiré. Je suis sûr qu'il est en train d'éclater de rire chez lui. Et moi, je suis en train de me chier dessus. Merde, pas bon. Je vais me faire shooter dans le dos. Non, à peine.
Bon, à mon avis, je vais me trouver nez à nez avec le mec. Et l'idéal, ça serait que je rentre quand même avant de... avant du reboot. C'est vraiment la merde quand t'as pas d'équipement quand même. Un truc tout simple, t'es en train de galérer. Salut Géraud. Comment ça va? On t'attendait, hein. Je savais que t'avais pris ton RTT pour venir voir le live. J'ai voulu volontairement ne pas rentrer dedans. Le mec, techniquement, il était en haut hein, quand il s'est fait shooter ici. Hein. Enfin, shooter, je sais pas s'il s'est fait shooter, mais. Quand le mec a la. Bon, de toute façon, si je tente pas, on le saura jamais. On va y arriver. Ou pas. Enfin, les portes sont ouvertes. Vous avez vu? Mais non! C'est quoi cette douille? Bon. Bah, le mec m'attend, quoi. Ah, le bâtard! C'est bien possible que ce soit les mecs de l'autre soir, là. C'est-à-dire qu'il a... Ouais, go un contre... Vas-y, je vais y aller, hein, mais... Ouais, ça n'a rien à ça, ouais. T'espères le reboot avant, mais bon. Alors après, j'hésite à prendre soit l'arbalète en premier, mais bon, si je loupe la flèche... Qu'est-ce qu'il fait, lui? J'ai entendu s'enfermer dans une porte, hein. Bon. Ouais, grenade, ouais. Il est derrière une porte métallique, le mec.
Ça va restart. Ça va restart, il reste 10 secondes, enfin 30 secondes. Et bien maintenant, c'est au plus rapide. Le premier qui fait du bruit surtout. Ouais, c'est chaud. Je sais comment ça va finir, mais... Peut-être faudrait que j'entende Washi Slug si j'entends une porte ou quelque chose. Oh putain, j'ai loupé la connexion. Oh, fait chier. Là, je pars avec un désavantage. Là. Merde. Allez. Ça y est. On n'est pas dans le même secteur de la map. En fait, il était venu. Il allait loot et il est reparti. Il y a des cadavres là. On n'entend rien. À droite, c'est la killbox. Et en face, c'est le loot, quoi. Bon, de toute façon, je vais pas y passer l'après-midi. Hein. Je meurs. Hein. Non? Bon, de toute façon, je vais être obligé. Moi qui joue bien parce qu'il fait aucun bruit, il bouge pas. Hein. Non, j'ai pas de check, mais pour moi, il est pas dedans. En tout cas, j'entendrai la porte s'il ouvre dans mon dos. Il n'y a qu'une porte que j'ai pas de check. C'est celle que j'ai visée en entrant dans le... Moi, je pense qu'il est parti en courant, il est parti vers les armureries à l'étage. Non, ça fait trop de bruit.
Fait trop de bruit. De toute façon, je perds une arbalète. Exactement ici où... Ouais, tu sais quoi. Je comme un porc, je cours comme un con. En fait, c'est quoi? Il m'attend assis dans une armurerie. Le mec il a déco, il a plus internet. Je suis en train d'attendre de le... Vas-y, nique sa mère. Pardon, je suis vulgaire. Je vais pas y passer l'après-midi, hein. Je meurs, hein. Tant pis. Évidemment, j'ai pas de truc pour des locks. J'ai comme un bourrin. Oh non, ouais, c'est bon, ça m'a saoulé. C'est bon. De toute façon, en même temps, s'il est automatique, c'est pas avec un gun que... Bah voilà, tu sais quoi, on va se taper un délire avec lui. Je vais foutre la mine dans la... connais le mot pute? Alors, ça c'est back, c'est l'arrière, faut que je la tourne dans l'autre sens. C'est bien là. Ah non, bah non. Oh, il me faut de quoi les amorcer, c'est dommage. Ouais, j'avais oublié. Bon, trouve-moi un pin vite fait là. Allez, on y va la bourrin. Je vais juste prendre le loot et je me casse. Ça sert à rien de chercher le diable. Tu vas voir que comme bâtard, il n'y a rien pour faire des locks. Pour faire les pinces à cheveux, là, les machins. Là. Allez. Délire.
Je marche en même temps que lui pour pas qu'il se dise qu'il y a un bruit. Oh putain! On va pas y passer l'après-midi, mais c'est chiant ces trucs métalliques là. T'es cramé direct quand tu manges dessus, quoi. Il a entendu, tu sais, le. Ce truc là que j'ai marché après lui, donc du coup ça fait du bruit. Bon, elle est pénible, hein. Bon, je lui rentre dedans, vas-y. Le problème, c'est que si le mec il bouge autant que moi, on est mal barré. Hein. Quel suspense. C'est pas le moment, Alix. On l'a entendu par contre. Non! No, please! Est-ce qu'il n'est pas dans cette partie-là, là? Je me demande si c'était pas juste en dessous de moi, donc là, là. Dans les pièces là, là. Non, c'est moi qui l'ai laissé ouverte la porte. Le problème, c'est que connaissant Scum, les balles passent pas à travers les marches. Bon. Pour moi, il est là, là. Il était... Quand on voit le couloir... Où est-ce que t'es, motherfucker? J'arrive, je vais t'enfermer à sec. Vas-y, c'est là où je me dis qu'est-ce que je fais encore avec un gun. Mais bon, en même temps, j'ai pas de chargeur, j'ai que ça, quoi. Ah, il est pénible parce qu'il est là, quoi. Putain, c'est le premier qui bouge qui meurt, en fait, hein.
problème, c'est que... ouais. Il y a moins de loot, ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même si techniquement on pense que les vanillas ont les mêmes loot que les officiels, il doit y avoir un problème quelque part, c'est toujours plus. Et pour avoir fait que de l'officiel et fait aussi que des vanillas en privé, même quand ils sont en x1, c'est beaucoup plus facile. Mais ouais, sinon je suis bien comme un clodo, hein. Ça c'est clair. Et pourtant, j'en fais des bunkers de merde. Hein. Bon, allez, encore une minute et je me casse, tant pis, sinon. J'ai rien à sécuriser pratiquement là. Bon, c'est juste mon dernier sac à dos, ma dernière arbalète, mais bon. Vous savez quoi? Je vais faire genre, je vais me barrer en courant. Et puis je vais essayer de l'attendre. Pas 36 solutions. Lui ici, c'est un cul-de-sac, hein. Il est obligé de sortir, hein. Mais même comme ça, il sort pas. Hein. Le mec, il doit être vachement stuffé. Allez! Non, non, la killbox est derrière moi là. Et derrière moi à gauche, la killbox. Il y a un mec dehors, dans les buissons. Génial. En fait, il a appelé son pote pour que je me fasse buter dans le dos, quoi. C'est les mêmes mecs que l'autre soir, c'est sûr. Ah ouais. Du 2 contre 1. Le mec il va camper toute la... Tu vas voir que l'autre il va arriver par le haut là. Vous entendez dans le buisson là? Salut bebeu. Arrive au moment... le bon moment. Ah mais l'autre il va peut-être... Il va passer par l'échelle je pense. Et l'échelle donne accès là-haut. C'est-à-dire que s'il arrive il descend des escaliers. La dernière fois, pareil, j'en bute un et ils reviennent. L'autre, il a dû revenir avec deux automatiques. Il en a donné une chacun. Voilà. Chaud.
Compteur de kills, le nombre de fois où je suis mort, tu veux dire? Oh là 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 là! Bah ouais, j'ai push, regarde! Une balle, l'arme s'est enrayée. Une seule. C'est pas la deuxième ou la troisième, hein. À la première, quoi. Eh, vous avez vu le titre du stream ou pas? Poissard est de retour. Bah tu m'étonnes, putain. Ah là 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 là. Et en fait, lui, rien à voir avec son pote, hein. C'est-à-dire que lui, il va se faire buter aussi, hein. L'arme qui s'enraye à la première balle. Non, mais c'est dingue, quand même. En plus, j'ai fait le boulot parce que je me suis décalé avant lui, donc il n'y avait plus qu'à... Bang bang, quoi. Ah là 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 là. Enculé de M9, exactement. C'est pas très grave. Ah, c'est super les bugs. Je spawn à l'extérieur de ma base. Bon, je vais voir si j'ai pas un... Ouais, mais là, c'était pas un problème de troisième personne. Alors, évidemment, bah, j'ai des guns sans... Ouais, je vais prendre le Hunter, hein, tant pis. Hein. Tant qu'à faire, j'ai rien à perdre. Hein. Au cas où. Allez, on y va. Allez, Dora, elle a pris son sac à dos. Je vais avoir besoin de chiffon, c'est pour ça. Allez! Mais j'ai pas d'AK! J'ai pas de chargeur, j'ai rien, j'ai pas de balles, c'est la dèche! J'ai fait un roumain, putain! J'ai rien du tout! Ouais, t'inquiète. J'ai rien, j'ai le vent! Ouais. Une balle de M9 et il fallait qu'elle passe avec le truc qui s'enraye quoi. C'est même pas genre l'avantage, je suis à côté de la du bunker, je peux revenir, j'ai pas de stuff de toute façon. Non, rien, rien, walou. J'ai un arc si tu veux. J'ai un pénis si tu veux, j'ai que ça. Ah putain, maintenant il a remis des clous. Ah l'escroc, putain. Il est venu remettre des clous là. Quel enfoiré. Et salut Diffoul, pardon. J'avais vu ce que t'as écrit, mais... Mec, il est venu remettre des clous, quoi. Non mais sérieux. Oh là 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 là. Il y avait plus de clous depuis 2 jours. Bon, vas-y. J'allais jouer à Tetris, moi. J'en peux plus. Il est chargé, il est chargé. Il est chargé, le fusil. Là, je peux même plus rentrer dans la base. Bon, tu sais quoi, je vais essayer de rentrer même en boitant, tant pis. Au bout d'un moment,
Non, moi non. Charo, ouais, probablement. Charo, c'est sûr, mais. Alors, en plus, la porte est fermée. Ah, tiens. On est bien d'accord que normalement, ça rentre. J'arrive même pas à rentrer, hein. Mais bon. On va essayer, hein. Je vais mourir. Sais même pas pourquoi je suis rentré. Là, je vais chasser deux mecs et ils sont deux dans le bunker. Il était là le deuxième. Vous voyez, il avait une automatique. Ah non, mais c'est n'importe quoi ce serveur, putain. Bon. Donc là, on va me dire que je vais me battre. Alors, le mec, le bruit qu'il avait, c'était quoi? Peut-être une M16 ou. Allez, je vais me battre Hunter contre M16. Franchement, si je le tue, je finis le live à poil. Non, je plaisante, hein. Ouais, plus que un, ouais. Ah, le fameux 9 mm. Ah, peut-être le. Oh, là le stuff, hein. Là, je suis bien là. Alors, il a enlevé les chargeurs. Non, j'ai encore un 9 mm qui bug. Non, je crois que c'est bon. Être bon, hein. Je vais mourir, mais ça devrait être bon. L'autre, c'est goinfré en fait, hein. Vous savez quoi? De toute façon, ça sert un peu à rien. Je vais juste looter ce coin-là. J'allais faire un autre bunker. Là, il y a le mec qui a un full équipé en face. En train de tenter l'impossible.
bien ça. Et va. En plus de mettre des difficultés dans le... dans la création des persos, j'ai pas beaucoup de chance non plus, quoi. Ça sert à rien d'aspirer une chose. Bon. Le problème, c'est qu'il va être blessé pendant une semaine encore là. La dernière fois, c'était pas si long que ça, si. Je me rappelle plus. Le mec m'a laissé les tournevis, ça pourra servir. L'autre il sait pas comment je suis équipé, donc ça se trouve il bouge pas non plus. Vu la patience qu'il a. Accessoire indispensable, ça. Comme ça, tu meurs avec classe ou pas. Hein. Bon. Par contre, le mec qui m'a tué, qui s'est fait tuer, il a pas dû comprendre grand chose. Il a dit merde, j'en tue un et l'autre il est à l'automatique. J'entendais bruit de pas. Je pense que le mec qui fait le coup à chaque fois, il entraîne le mec à quelque part pour pouvoir rentrer. Mais du coup, D-Fool, je suis en train de lire en même temps où j'essaie de comprendre. Vous êtes parti de... de Warland. Enfin, j'ai l'impression que c'est le cas. Ah, il arrive. Vu qu'il a mis les planches de couple, il se les mange pas cet enfoiré. Hein.
Je l'entends, le mec. C'est chaud. Oh putain. Il s'est pas fait tuer. On n'a pas entendu le... C'est bien, je vais devoir... bientôt, je vais devoir arrêter le live. Je serai toujours pas sorti du bunker. Ah, mais quelle galère, sérieux. Lancer un live pour ça, là. Putain. Bon, tu viens ou tu viens pas, toi? Même si je vous la porte, il sait que je suis derrière. Super, Charo. Sympa. Il arrive. Il s'est pas enrayé, là. Mais bon, t'as rien du tout. Attends. Il a pas de BSU, d'accord. Ah, c'est lui qui pose les balles en plus là, il fait chier là. Les balles dans les clous là. Là, tu vois, je vais sortir. Je vais prendre mes. Comment dire? Mes antidouleurs et je vais mourir avec les vies qui me restent, je vais mourir dans les clous quoi. Allez, de toute façon, j'ai que ça à faire. Allez, j'espère qu'il fasse ça. Il est encore là. Bah, bien sûr. Le robot, il manquait plus que ça, tiens. Bah, désolé les amis, c'est drôle de live quand même. Hein. Galère sur galère, blessure. Bon, y a aussi du monde, un peu de PVP. PVP de Roumain. À la limite, le mec, même en orange là, il prend une lance, il me tue. Je peux pas me déplacer. Diffoul, c'est vous qui aviez la base dans l'église en C4, je crois. Ouais, en C4 sur le à l'époque, avant le wipe. Une base super haute même. Ah ouais. Bah, il y a un soir, je suis tombé dessus par hasard et
Vous aviez mis des mines derrière un rocher, j'ai pété sur le premier rocher que j'ai fait, quoi. C'était magnifique, c'était magique même. Et après, il y a un de vos potes qui est sorti à poil pour faire le tour de la base, pour voir ce qui se passait. Et je le voyais, j'étais de loin avec un snipe, mais... disons que je voulais pas me faire cramer, j'étais tout seul, quoi. Ah merde, je peux même pas rentrer chez moi. Ah bah c'est cool. Et bah voilà. Bah de toute façon, pour faire la base aussi haute, c'est parce que vous aviez empilé les fondations. C'était avant le patch, là. Je peux même pas rentrer chez moi, quoi. Vraiment la loose, quoi. Ah la galère mon frère, c'est putain le stuff de merde, tout est pourri là. Ouais, je vais y aller en mode roumain, tant pis. Je vais obligé de refaire un live parce que celui-là il est tout pété quoi. Je peux rien faire d'autre. Ah, je suis baisé, je devais m'arrêter à 17h dans 20 minutes. À moins que les jambes se... Je soigne rapidement, mais je suis baisé là. Ah, le reste, je vais le stocker, c'est pas grave. La merde. Ah, vous aviez fait fondation et détruit celle qui était tout en bas. C'est que j'ai mis vachement de temps à... Bon, déjà, ça m'intéressait pas parce que je jouais seul, j'avais pas la possibilité de faire des bases aussi grandes. Mais j'ai mis vachement de temps à trouver comment on faisait pour faire ce type de base. Bah, la veille du wipe, voilà, de la mise à jour. Voilà, je vais y aller comme ça. Moi j'aimerais bien qu'ils se guérissent, non je peux pas y aller quoi. Oh là 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 là. C'est dur dur de jouer comme un noob hein. Putain. Je sais même pas comment j'ai fait pour réussir à sortir vivant. Ouais, le charou il est devant toi hein. Je sais pas, j'ai pas essayé. Ce que je sais, c'est que... comment dire? Ce que je sais, qu'à l'époque, quand on construisait une cabane et qu'on collait un mur, tout se cassait. C'est-à-dire que quand tu voulais détruire la cabane, bah, le mur pétait avec. Ils avaient dit qu'ils avaient corrigé ça, et je peux vous confirmer que ça, c'est pas le cas. J'ai détruit une fondation, la maison à des pop. Ah oui. Ah, d'accord. Ah ouais, carrément. Ah oui, si je range pas le sac non plus, ça va être compliqué. Ah oui, on m'avait dit que si on faisait dodo... Regardez, Fidel Castro, il est mal en point, il a mal au ventre, là. Aïe, aïe, aïe. Ah, je savais que j'aurais dû faire mon live sur le nouveau jeu là que j'ai pris, là. C'est chier. C'est vraiment pas le soir là, le jour. Ah ça y est, il a plus mal. On y va. Tu sais quoi? Comme je sens... Je suis optimiste. Comme je sens que... Il va y avoir du loot. Je prends le grand sac. Tac, et je pense juste... Je me retrouve pas comme un con. Allez, on y va. On va aller escalader le bunker.
Oh, Botasai! Bien le bonjour, mon ami, comment ça va? T'as loupé le début de game le plus stressant, angoissant de cette saison, quoi. Mais bon. C'était chaud. Mais bon, la probabilité qu'on soit à 3 dans le même bunker, 1 contre 1 contre 1. Allez, regardez. Je vais vous lancer une prédiction quand je serai devant le bunker pour gagner des points de chaîne. Comme ça, vous voterez avec vos points, vous faites des mises, un peu comme au... Non, tu les as déjà utilisés ou quoi? Non, je vais faire une petite prédiction devant le bunker, comme ça vous pourrez gagner un peu plus de points là. Allez, on y va, on se dépêche. Dans l'histoire, j'ai perdu une arbalète. Ouais, franchement, dès le début, mais franchement, au bout de 5 minutes, hein, pas beaucoup. Entre 5 et 35 minutes, 40 minutes. C'était le plus fun. Enfin, jusqu'à 1 heure en fait. Là, les 15 et 1 minutes, c'était la galère. Mais la première heure, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. All-in? Ah, il est chaud là. En plus, je vais faire une petite prédic simple. Comme ça, vous allez pouvoir gagner des points de chaîne. Oh, c'était. Putain, mais c'est franchement. Les deux derniers lives où il y a eu un peu d'action. Bon, celui d'avant où j'ai tué trois mecs à l'arbalète, ça va. Ah ouais, ça c'est clair que le ton est comme tu dis. Mais les deux derniers lives, celui de la saison dimanche avec les arbalètes et aujourd'hui, on aurait été deux. Comme un duo habituel, quoi. Ça serait pas passé comme ça. Ah bah parce que c'est... On se fight, respawn à la base. Bon après, regardez. Ah d'accord, j'ai pas de couteau. Regardez, parce que je suis sûr que certains d'entre vous n'ont toujours pas vu la vidéo que j'ai postée sur YouTube. Donc ça c'est inadmissible, d'ailleurs profitez-en, je veux un maximum de pouces bleus là-dessus. L'astuce pour faire l'effet, mais en 30 secondes. Regarde. Montrer ça tout de suite. Tant qu'à faire. C'est vrai que si je meurs au moins. Sans me prendre la tête, ça va aller vite fait. Ici là, on aura le jeu en couleur. Bon, même pas le temps de découper. Allez, je vais juste découper celui-là. Allez, je vais prendre au moins entre 35 et 40 points de fame. Ah, si vous avez le like, c'est bon. Regarde, regarde. Eh ben, je peux pas le faire parce que j'ai pu être trop de murs. Allez, hop. Fini pour la formation. J'ai trop de murs en attente, je peux pas. Oh, c'est relou. Ah non, moi, ça fonctionne illimité. Ah, ça dépend si t'es déjà... Si t'es, comment dire... Si t'es déjà plus que basique, même, ça... Ça monte pas beaucoup. Ouais, mais ça dépanne, quoi. Le problème, c'est que j'ai déjà passé des caisses à outils partout. Je vais pas les annuler, quoi. Après, attention. Si en plus, tu es au-dessus du basique et que tu as... Ouais, mais t'as peut-être déjà 400 ou 500 points de fame. Je peux t'assurer que quand t'as pas beaucoup, ça monte très vite. Même quand t'as un bon skill avancé. Hein. T'as peut-être beaucoup de fame. Hein. C'est peut-être Tyson, comme il connaît l'astuce aussi, il l'a réduit sur son serveur pour éviter que les gens aient trop de points de fame pendant les PVP.
Regardez, comme l'autre jour le bug des vies, j'étais à 42%, je viens de passer à 100 d'un coup. Génial. Je sais pas comment on fait, mais... Ouais, c'est comme l'arc et quand t'es faible niveau. Hein. Ou le snipe. Si t'as une hunter avec une lunette, c'est tes premières balles de snipe. Tu prends des points de fame énormes. Bon bah c'est cool hein, bonne game de Roumain comme on aime là. Je vais préparer la prédiction tiens. Ah d'accord, ouais, même... ouais donc même si tu prends un fusil avec une ACOG c'est bien. Ouais Blaze c'est pas le moment de se faire des soins de la peau là, aloe vera. Alors à prochaine pause tu te fais un petit soin. T'as l'air d'avoir la peau sèche là, ça va pas quoi. Non mais j'ai des chiffons, t'inquiète. Par contre, j'ai pris des olives pour que ça passe mieux quand je vais me faire déglinguer. Oui, bien sûr, c'est les lunettes, évidemment. Mais je pensais pas que la cog rentrait dans ces... Je pensais pas que la cog rentrait dans les lunettes type snipe quoi. Bon, ouais. Non mais je mange plus d'aloe vera et de pastèque. Hein. T'as vu la dernière fois, je me suis mis à chier devant le mecha. Ça va aller. Hein. Déjà du mal à rester en vie. Pile devant la porte du bunker, quoi. T'sais, c'est pas genre... Bon, voilà, on sait les prédictions dès que je suis les deux zigotos là. Kawaii jaune mon frère, on voit que ça quoi. Pas besoin de vision nocturne avec ça. Ah non la pastèque, laisse tomber. Putain. M'a niqué celle-là. Ah t'es pas mort. Oh magnifique. C'est un casqué, on va s'amuser, tiens. On sait quoi, tant pis, hein. Ah, super, celle-là aussi est sans rail. Putain, mais... Pourtant, l'arme, elle est à 100. À mon avis, les balles sont pas... Mais tu mets 10 minutes à dérailler ton arme, là. Et décidément. Ouais. Ouais c'est... Exactement. C'est le bon kawep. Tu sais, pour ceux qui font de la marche à pied en Bretagne. Et ils prévoient le mauvais temps. Bon, je vais me soigner vite fait. Et après, je lance la prédiction juste avant de rentrer dans le bunker. Oh, il y a une arme posée là-bas. Ouh là là. Oh, elle a l'air longue là. Vous avez vu ou pas l'arme? Ouais, elle est à Cherbourg. Hein. Tiens, il y a une promo sur les casques ou quoi?
Oh la loose. Et tu trouves pas d'arme de la... Pas d'arme du tout, il donne un MP5 quoi. Secrètement, j'avais envie que ce soit un M16. C'est pour ça que je regardais pas, genre... Alors la surprise qu'à la fin. Magnifique. Ah, je suis refait. Un genre de 9 mm, je suis bien là. J'avoue que je vais enlever ce truc là parce que franchement... Et si je fais un personnage black, c'est pas pour lui mettre des trucs fluo quoi. Ouais super, mais j'ai plus les chargeurs, j'ai tout perdu. Ils étaient dans le sac que je me suis fait dépouiller là. Ouais c'est vrai. C'est même mieux hein, c'est même mieux la base navale. Juste après une question de temps en fait. J'y suis allé qu'une fois. En fait, je suis allé qu'une fois au début. Attends, faut pas qu'ils se mettent à chier devant. Hein. Mais c'est vrai que je devrais y aller plus souvent. Bon, c'est quoi? Ah d'accord. Ah il a mis la petite fin de dernière minute. Regarde, regarde, il veut chier. Il est en train de se plaindre. Ah ça y est, c'est reparti, l'arme enrayée. Mais c'est de ma gueule lui. Oh vas-y. Eh, mais vraiment des armes de roumain quoi. Je sais même pas si c'est une carabine d'airsoft. Ah vas-y, ça me casse les pieds quoi. Culé. Au point où j'en suis hein. Quelle galère. Ah oh, putain. Ah mais au moins je rigole hein. Même moi je rigole de moi-même hein. Ça des bons délires hein. En fait, faut pas venir ici pour voir du gameplay, faut voir ici pour rigoler, faut venir ici pour voir ce qu'il faut pas faire. Comment looter des chargeurs de 9 mm. Je m'étonne qu'après Charo dit, c'est quoi, tu joues sur un serveur quoi, x-10? Pourquoi t'es toujours avec du loot de merde? Parce qu'il me donne que de la merde. Putain, c'est dingue. En plus, t'as les mecs qui s'habillent en meuf, quoi. Non mais sérieux. On va le réparer. Ah tu vois, moi mon loot, le meilleur loot que j'ai c'est quand je tue les zombies. Voilà. Du fil, un rail bleu. Magnifique. Attends, 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 j'ai oublié. Je vais le faire chier avant parce que là, là il a demandé depuis tout à l'heure. Il a disparu, il est revenu, c'est bizarre. Je me posais la question juste avant. Oui, il y en a certains d'entre vous qui jouent à Valheim là, le jeu tout pourri qui fait le buzz là. Pas tout pourri, c'est mon avis personnel, attention. Ah, celui-là je l'ai fait à l'extérieur. Tout va bien. Bon, je vais lancer la prédiction, tenez.
C'est bon, il y a la prédiction, vous pouvez y aller. Allez. Ah non, mais... C'est... Franchement, des fois, j'hésite à dire ce que je pense, mais... Il est nul. Mais il est nul. C'est moche et c'est nul, quoi. Sérieux. Tu veux un jeu de ceci-là, je sais pas, tu vas jouer à... À Diablo, j'en sais rien. Mais c'est même pas le même style, mais c'est nul. À surcoté, quoi. Ah, tout ça, c'est une question de business. C'est-à-dire que le mec, il se dit, tiens, je vais payer 500 000 un mec pour qu'il joue avec. Et de toute façon, ça va vite être rentabilisé, donc. Mais il est nul. Moi, je supporte... Enfin, c'est naze. Et t'as tous les moutons qui suivent. Désolé, hein. Mais... Oh, c'est... Merde, j'ai mis combien de temps la prédiction? Tant pis, j'ai pas vu. J'essaie de la faire vite pour pas ça prenne trop de temps. Évidemment, une entrée classique, c'est pas possible. Et c'est non mais les mecs après ce hype, putain, le mec il joue à ça, ça doit être génial. Il est nul. Moi, je suis désolé, hein. Moi je suis... J'ai aussi un sale caractère, mais... Je trouve ça naze. Ah ouais, lui il pardonne pas. Hein. Bon, vous avez voté ou pas? Ouais, je crois qu'il y a eu des votes. Allez. Bon là, je fais pas mode Rainbow Six. J'y vais à la bourrin. Il y a du loot, il y a du loot, il y en a pas. Tant pis. Je meurs pas. Tant pis. Allez, on vise une petite arme là. Ou en tout cas des chargeurs d'armes, ça serait bien. Attends, là les... Allez. Ah, les guns ça compte pas, hein. Voilà déjà. Première armurerie. Ouais. Oh, alors là... Oh, c'est magnifique. Des balles de Hunter, les mecs. Vous avez pas vu ou quoi? Les balles de Hunter. Vous voyez pas le plus important du jeu. C'est dingue. Ah, je rigole, mais putain, je suis pas aidé, hein. Ah, j'ai mis que 30 secondes. Ah, merde. Ah, je voulais pas trop m'absenter. Pourquoi il veut pas le faire? Ça fait deux fois qu'il fail l'action, quoi. Au car. Magnifique. Ah, je le sens bien, là. Oh, je le sens bien, là. Oh là 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 là. Là, j'ai presque plus de sac dans mon... place dans mon sac, tellement il y a du loot. Allez, ça y est, je suis plein. Voilà, fou. Ah, j'en peux plus. Oh là 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 là. Deuxième armurerie, rien. Ah, mais ça a été looté, c'est pas possible. Ah, bah voilà. Alors là. Oui, oui. Oh, ça c'est beau. Alors, ça c'est beau. Ah, ça c'est beau, ça. Magnifique, hein. Putain. Je rêve. Non mais sérieux quoi. En plus il me reste plus que deux coups de tournevis. Allez, j'avais envie d'aller à droite. Là je vais aller à gauche. Allez.
Allez, regarde comment c'est beau là. Oh là là. Oh là là, là c'est chaud. Ça y est. Ça vient. Super, on va faire une keycard au 9 mm qui s'enraye. Ah, je le sens bien. Non, c'est pas la journée poisse, c'est... Bon, je vais voir s'il n'y a pas un petit tournevis quelque part, vite fait, là. Allez, on court. J'ai pas le temps. C'est fini la rigolade. Je rappelle, ça sert à rien. La journée no skill. Faites un don pour l'association des no skill pour leur offrir des cours de scub. La fondation no skill noob 7. Vous apprendrez en 10 leçons tout ce qu'il ne faut pas faire dans la journée. Résultat garanti, vous ne pourrez pas faire pire que lui. Ah putain de douille. Blindé le loot, blindé. Là je suis au max. Et quand je suis parti, je fais ouais vas-y, je vais prendre le grand sac, il va y avoir du loot. Wow, des rags. Nice. La colle. Oh là 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 là, le chargeur qui va avec le gun là. Allez, le jeu il en peut plus là. Tu vois Charo, si t'es encore là. Un bunker qui a pas été loot. Voici ce que j'ai en général. Voilà. Je vais aller faire vite fait les deux box qui restent. Même pas un coca, rien. Je sais plus c'est lequel que j'ai. Voilà. Ah, j'ai eu des balles de Hunter quand même, faut pas déconner. Allez mon gars. Oh les prédictions là, attention. Ça me le fait souvent ça. Allez. Oh là là, la puissance mon gars. Là, je suis prêt, je vais retourner le serveur. J'ai dû jeter des keycards à la gueule. Non mais regarde, dingue, y'a rien. Ah putain, la galère. Hein, je vais même à un commissariat, il y a plus de matos. C'est n'importe quoi. Salut. Me laisse finir, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Téléporte-toi à droite, à gauche. J'augmente mon skill de fusil. Hein. Wow, magnifique. Je me casse. Je suis full. Non, je plaisante. Quelle galère, sérieux. Ah là 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 là. Et même avec tout ça, avec toutes les galères, la poisse et compagnie, et puis des fois quand je merde aussi, hein, bah, je peux pas ne pas jouer à ce game, quoi. Vraiment une drogue, cette merde. Ouh, oh là là. Oh là là. Je suis refait. Où est-ce que j'ai foutu le chargeur? Oh là là. Une arme qui va tirer, celle-là. Elle est en bon état, là. En gold. Golden gun. Direct. Attention, dans les prédictions, les guns, ça comptait pas. Hein. Oh là là, bon là. Oh là là. Oui. Oh ça c'est beau. Ah oui. Ça c'est beau. Ça c'est... C'est le top du top. Je sais même plus si j'avais fait tout ça là. Par contre, des tournevis, ça y va. Hein. Ouais.
Ah, ok. Ah, je vais prendre le Golden Gun avec ça. Je me sens puissant. Ah, il y a du loot, mon frère. Laisse tomber. Il n'y a même pas un MP5 court, rien. Il y a Walou. Regarde les bunkers. Comment tu... En fait, elle est à la saison 1, épisode 829. J'aurai une arme full équipée. Même les cadenas, il veut pas me les donner. J'ai entendu un bruit, mais bon, j'en suis de toute façon. Ah, mais je crois que toi. Il y a Blaze aussi qui a voté oui. J'espère pour vous qu'il y a une arme qui se balade quelque part, parce que je crois qu'il y a que deux armures. Hein. Je l'ai dit dans le titre. La journée poissard. En fait, je l'avais déjà anticipé. Entre cette nuit où je perds déjà tout mon stuff, etc. Et puis ça après. Hein. Alors. Par contre, si c'est une arbalète, je considère que c'est une arme. Hein. Évidemment. Hein. Par contre, un arc, ça ne l'est pas. Ça, c'est pas une arme. On me dire si c'est une arme blanche. Allez. Je commence à avoir un petit peu de loot là, on sait jamais. Y'a rien du tout, évidemment. Pas que je veux pas, hein. Oh lui il est bloqué derrière, ok. Ah, celui-là, la première balle a tiré, par contre. Eh, hey, collection de casques, nice, troisième, hein. On est dans la merde, hein, je vous le dis. Hein. Je peux pas mettre ça, dommage. Je rajoute les rails manuellement. Eh ben. J'espère que vous n'avez pas trop misé quand même. Hein. Ah si, j'ai cassé mon PEL, j'ai tout mis. Elle arrive. Bon, moi je te fais confiance. Elle arrive. Elle sera de quelle couleur? Parce que je suis sûr que je la loupe pas au cas où. Oh la douille. Après, t'as des gens qui me disent « Ouais, je viens de débuter le jeu, j'aimerais bien jouer avec toi. » Mais t'es sérieux? Ça va te dégoûter du jeu. Ne viens pas, malheureux. Ne viens pas. Va jouer tranquillement dans ton coin, tu verras, t'auras beaucoup moins de problèmes. Y'a rien d'autre là? Non, dis pas que j'ai fait le tour déjà. Oh non. Y'a peut-être une porte là-bas là. Ah là là. Allez. Ah mais c'est le début. Ah bah c'est super. Bon. Addiction terminée, hein. Moi j'ai du tournevis, mais je crois que j'ai déjà tout fait, hein. Là j'ai fait. C'est bizarre, mais j'ai quand même l'impression d'avoir oublié une partie. Là, c'est la killbox.
Ah, mais j'ai pas fait de ce côté. Eh, hey, c'est pas fini, les gars. Oui. On est bien, là. C'est y'a rien. Y'a R. Là, à mon avis, y'a rien non plus. Wouhou. Deux ZS. Oh, putain, pardon. Oh, j'étais... concentré. Concentré. Merde, j'aurais pas dû charger. Eh, mais tu vois pas que je suis occupé, quoi. Deux élastiques. Ah ben, on devrait jouer ensemble. À nous deux, on aurait la boîte d'élastiques, là. Dégage, là. Au point où j'en suis. Le chargeur par terre, je sais pas pourquoi. Bon, il reste encore une pièce ou deux, on sait jamais là. Bon, j'ai peut-être une surprise pour vous après. Tata d'art, ça a été looté, c'est possible. Mais c'est-à-dire que le serveur il a reboot. Il y a en gros. Je dise pas de bêtises. Il y a à peu près une heure, c'est-à-dire que le mec il a looté, il a tout refermé derrière lui, même les portes à l'intérieur. C'est possible. Bon après, me connaissant, je sais que c'est mon taux de loot habituel, hein. Je suis pas trop inquiet. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment... Ah si, il y a de la pierre et tout. On est bien, hein. Je devrais faire des prédictions plus souvent. Les mecs, en fait, ils veulent juste que j'ai du loot. Parce qu'ils vont perdre leurs points, sinon. Allez, s'il te plaît, Seven. Allez, loot un truc, là. Allez, une petite arme posée quelque part, là. On sait jamais. J'aurais dû faire un nombre de cadenas. Est-ce que je vais en looter plus de 10 ou moins de 10? Un truc à la con. C'était moins risqué. Ça, j'en veux pas. C'est possible hein, que ça ait été loot, mais... Les casiers étaient tous fermés dans le bunker. Les caisses, là, les casiers. Dans le bunker, dans les armureries, pardon. Par contre, les cadenas, il n'y a pas de problème. Vas-y, j'ai jeté les casses, les pieds. Prendre la place pour rien. Le kawaii jaune fluo, là aussi. De toute façon, j'ai pas l'intention d'aller à Quimper ou je sais pas où, là. La déprimance. Par contre, les canards, ça, y a pas de problème. Hein. Ça va me remplir mon sac. Un jour, je vais loot un barrette et je vais me faire tuer par deux mecs. Ah non, c'est déjà arrivé. Ah, il n'y a plus de place pour poser ça. D'accord. Un petit peu le bordel, je vous avoue. Bah en fait, ce qui me ferait sauter au plafond, c'est de looter un ou deux ou trois chargeurs d'AK. Les AK, j'en ai en stock, j'en ai 3 ou 4 quoi. Mais chargeur, c'est un peu la dèche là. Voilà, tu te rappelles l'autre jour, tu me disais, t'as oublié d'ouvrir la porte. C'est pour te montrer au passage. Si la faim et la soif, c'est vraiment la dèche. C'était vraiment une game de merde, hein, faut le dire. Hein. Faut pas poser les mots. Ah ouais, en vrai, ouais. Sauf qu'en vrai, je peux pas les faire, donc... Je peux faire que les cadenas en argent, pour le moment.
J'ai jeté les... Ça, ça prend de la place pour rien. Et c'est misérable. J'ai jamais eu une game aussi... pourrave. C'est misérable. Ça faisait bien longtemps, quoi. Allez, on fait un petit peu de place. Ok, ça je jette. Ça sert à rien de garder tout ça. On la joue un petit peu sérieux, quand même. Juste en garder un pour faire des chiffons, parce que je vais me faire taper, ça c'est sûr. Allez. On termine. Bon, vous savez quoi? Je vais regarder les... des votes, des prédictions. J'ai une petite surprise pour vous. En vrai, j'aurais dû prendre une caisse à outils sur moi, j'aurais fait des cadenas, ça aurait pris beaucoup moins de place. Cinq, sept, neuf, 12, 13. Ah ouais, quand même. Moi, je vais looter, sinon après on va me dire que je sais pas looter. Il y avait peut-être une arme. Donc je vais looter quand même. Allez, après on se casse. Passez-lui les menottes! Oh putain! Je m'y attendais pas, ça! Moi, je suis en train de troller avec les Z, là. Ah bah oui. C'est évident. L'arme qui s'enraye, c'est pour moi, ça. Eh ben, ça mûche bien quand même. Hein. La note artistique pour le zombie, elle était au moins de 17 sur 20, ça va. Eh, il va peut-être me donner un gun, lui. Hein. Non, ils ont jamais de gun, les Z. Au pire, un accessoire, mais et encore. Pas Noël, hein. Elle est bien là. Hein. Donc je pouvais la fouiller à travers. D'accord. Oh, des crocs. Ah là. Là, je vais terminer mon après-midi au max. Voilà. Au moins, je serais venu pour quelque chose. Je vais chercher des crocs. Là, Giro. C'est bien passé. Oh, le Frenchie, ça faisait longtemps, comment ça va? Ah, t'es venu voir la plus belle game de l'année, ça fait plaisir. Hein. Oh, toi, t'as le flair, toi. Hein, t'as le flair pour venir sur les games les plus pourraves, ouais. Oh, putain. Oh, mon Dieu. Je sais même pas si je vais la mettre sur YouTube, c'est là. Oh là là. Il y en a qui ont fait des prédictions, ils ont mis tous leurs points de chaîne. Et ils veulent que je garde le KOE breton. Hein. Je vais me l'enfiler encore. Hein. Oh, génial. C'est la première fois que j'en ai sur le serveur. Trop bien. Alors là, on va réparer mes armes. Là, je suis au max. Bah oui, parce que mes armes, c'est des pelles, des buts, des haches et compagnie, donc. Allez, une petite aiguille au moins pour la route. Une vraie aiguille.
Rien. Nada, niet. Walou. Allez, dernier espoir là. Allez les gars, dernier espoir là. Il reste un casier là. C'est le suspense. Peut-être dans les chiottes, on sait jamais. Allez. De toute façon, t'as rien loupé, hein. Oh là là, il y a des balles, il y a des balles. On est bien là. Aïe, 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 aïe. Il reste deux pièces là. Deux pièces et un cadenas accroché. On y croit. La dernière ligne droite. Que de suspense. Ils ont voté, ils ont voté. Ils ont cassé le PEL. Tu cherches quoi? Une arme? C'est tellement rare dans mes games. Non mais je voulais une aiguille pour, pas pour le... Pas celle des zombies, celle pour faire des pièges. Ouh là là, il y en a deux. Il y en a deux. Ouh là là, attendez. Là, je veux un soutien, attention. Attention, on est chaud, on met même la musique là, il y a... On va mettre celle-ci. Allez. Allez, vous avez parié, on est chaud là. Et c'est parti là. Une arme, une arme, une arme. Allez. Et la barrette à cheveux. Non, il n'y a rien du tout là. Attention. Attention. On coupe le son là. C'est important là. Oh putain. Oh là 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 là. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Oh putain la douille. Oh là là, la douille internationale. La douille du siècle. Par contre, les cadenas, c'est le record absolu, quoi. Je vais être obligé de jeter des... Ah, je vais lâcher ça, tant pis. Incroyable, rien de rien. Incroyable. Alors là... Le bunker le plus intéressant de l'année. Est-ce que tu penses que si je prends des canards et les jette à la gueule des ennemis, ça les tue? Parce que sinon, il y a quoi se fight, hein. Incroyable, incroyable. 0-0 arme, même pas un... Ouais, il y avait ça à l'extérieur, quoi, à la rigueur, mais... Il y a rien. Bah ça déjà reboot. C'est ça le problème. Attendez. Ah. La douillasse. La prochaine fois, on fait un pari. Va-t-il trouver un cadenas? Alors, attends. Tac. Bon, je vais... le temps que je fais ça, je regarde. Hein, deux secondes. Tain, les prédictions ont disparu comme par hasard. Tac. Je fabrique vite fait le truc. Bon, vous savez quoi? Je vais quand même être très sympa aujourd'hui. Je vais fermer ma gueule pendant 5 minutes. Non. Vu que tout le monde avait voté que j'allais looter, c'est-à-dire que vous étiez enthousiaste que je gagne, je vais vous faire gagner la prédiction. Voilà. Ah ouais? Bah attendez, si je meurs, je vous fais rien gagner du tout. Là, mode putain, je fais le guignol, t'es sûr qu'il y a quelqu'un, hein, parce que...
Par contre, les aides sont déjà revenus. Si je sors vivant, je vous fais gagner la prédiction. Allez. Parce qu'en fait, c'était une question de piège. Moi, loot énorme. Bon, par contre, lui, il est coriace. Hein. Live sur un autre jeu. Mais t'as trafiqué le truc, c'était beaucoup plus que ça. Bah, ce soir, il y aura un live sur un autre jeu. J'accepte ton défi. Bon, il était déjà prévu, mais... Par contre, il y a un truc qui est bizarre. Exactement. Ah bah ça faisait longtemps, ça. Ah mais t'as toujours pas... Ah il fout de ma gueule lui. Ah, je vais te la rembourser. Ils sont partis où? Mais en fait, toutes les balles... Eh ben... Ouais, pas de problème, t'inquiète pas. Et j'ai compris. Ah. Le défi, c'est de... On a dû compter le nombre de zombies. Allez, mon gars. Allez, on va se casser. Je vais vous faire gagner le défi, les amis. Dès que je sors. Parce que franchement, c'était la douille internationale. Plus sympa. Vous étiez tous sur le... Oh. Ça, mon gars, j'en ai tellement besoin que c'est une très bonne nouvelle. Même si je dois passer 10 caisses à le réparer. Ouais, grave. Magazine de M16. Regardez, j'ai plus de loot dans les zombies que dans les... Par contre, je me rappelle plus de la sortie, elle est où, là? J'ai l'impression de tourner en rond. Là. Aïe. Allez, l'alarme! Alléluia! Regardez! Et comme par hasard, là, j'ai pas de place, tu vois. Il y a tous les zombies qui arrivent, mais j'ai pas de place. Et eh ben on va jeter. De la place pour la mettre dedans. Une belle arme, magnifique. Vas-y, même le casque en fait. Elle devrait rentrer là. J'ai pas voulu la prendre dans les mains, tiens. Non, il n'y en a pas ici. Ça va. Changer de bunker. Oh non, mais sérieux. Non, viens là, viens là. Jusqu'au bout, il va me casser les pieds, lui. Hein.
L'arme la plus pétée du jeu. Oh, j'ai plus de balles. D'accord. Ah là 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 là. Celle-ci, elle s'est... Non mais sérieux. Mais c'est quoi ça? Toutes les armes sont enrayées quoi. Putain de merde. Casse les couilles ce jeu de merde. C'est pas possible. Casse-toi toi aussi là. Incroyable, incroyable. Et je sais, la Hunter est par terre, vous inquiétez pas. En tout cas, vous avez gagné la prédiction, j'ai trouvé l'arme par terre. Lance un cadenas. Ouais, mais je crois que je vais finir comme ça, ouais. Putain, la douille. Ok. Normalement, techniquement, j'avais fait assez de place. Même pas. Quelle galère. La place pour le gun. Donc là, il me reste deux trucs à mettre. Je vais jeter ça. Là, je les prends. Et je vais jeter ça. Ah, faut que je jette encore un truc. Et je vais boire ça. Allez. Ouais, ouais, mais visiblement, lui, il avait un gilet par boule. C'est bon? Magnifique. Regardez, l'arme elle a bugué, elle a disparu. Ah là là. Ben voilà, en fait. Pourquoi se chercher à rentrer dans le bunker? Le loot il était dehors, à l'entrée. Bon, mine de rien, j'ai peut-être un ou deux chargeurs d'MP5 sur les côtés. Ah, mais t'as pas suffi, Geronimo. Tu veux qu'on rigole? C'est pour ça que le stream s'appelle Petite journée. Ah bah non, c'est la journée poissard. Allez, je raconte ça vite fait, le temps de sortir. Attendez. Vas-y, casse-toi. Au point où j'en suis, là. Il y en a marre, hein. Les mecs, je les prends un contre un, moi. Eh, hey, je peux te raconter maintenant, on va rigoler. Alors, pour finir le live comme ça, hein, on va finir sur une note positive. Cette nuit, à 2h27, je crois, du matin. Genre, bien nuit, hein. Il faisait nuit dans le jeu, en plus. La nuit, on voit rien du tout. Qu'est-ce que je fais? Je décide, tiens... Ça fait presque 10 jours, je suis pas retourné à ma base. Je vais aller chercher mon stuff, hein. Donc je prends un sac à dos, vide. Je prends juste mon arbalète que j'ai looté hier après-midi sur le mec avec la petite lunette. Le point rouge, là. Et puis j'y vais. Tatac, tatac. Je fais bien le personnage, hein, qui court. Voilà, j'arrive, je regarde dans les environs, je traverse la nage. Je vais voir ma base. Bon, il y avait un cadenas en bronze sur la porte, elle a même pas été pétée. Bref. Du coup, je rentre. À l'intérieur, il y avait une petite pelle. Je prends la petite pelle. Je vais déterrer mon coffre. Je fais un petit peu de rangement, du tri. Je vais laisser un sac à dos dedans. Prêt à... avec du stuff. Genre, quelques balles. Des piles, machin. Enfin, des pièces utiles de craft. Bref. Et puis,
plus, je sais pas, on devait être, je sais pas, 9 connectés sur le serveur, quoi. Mais pas de live, rien du tout, hors live, hein, tout bien, tout pépère, quoi. Et puis, je prépare un coffre pour le transporter sous l'eau, hein, pour mettre tout mon stuff dedans, parce que j'étais ultra lourd. Et là, sur l'île, boum, un mec, il me shoot, au snipe. Mais sur la même île, parce que après, j'ai entendu les pas directement sur moi. En fait, ça fait 10 jours que je vais pas à ma base. Il y a personne sur le serveur et on est en pleine nuit. Et t'avais un mec à 2 mètres de moi qui m'attendait, qui m'a tué. Et du coup, j'avais sur moi le sac où il y avait 3 AK, 2 fusils à pompe, mon snipe Mosin qui était en bon état, mes 2 kits de réparation d'armes, les seuls que j'ai eu depuis que je suis sur le serveur. Les seuls, hein. J'en ai pas eu d'autres depuis, bah, depuis 15 jours, pratiquement. 10 jours que je suis là-dessus. Tout ce que j'avais, la lunette de Barrette, tout. Tout est perdu, le mec il est resté avec. Hier soir, je t'ai dit, c'était du n'importe quoi. Je fais ça en pleine nuit, à des heures paumées. Il n'y a même pas StreamHack parce qu'il n'y a pas de live. Ça fait 10 jours que je vais pas sur l'île. Le mec il était là au même moment, au même instant. C'est incroyable. Incroyable la poisse que j'ai eue. Incroyable. Perdre la vie, ouais. Ah, j'ai super patience aussi. Et évidemment, j'ai plus rien à couper parce que j'ai laissé les chiffons par terre. Franchement, moi, fair play. J'ai dit, ouais, qui m'a tué, machin. Non, sérieux, j'ai rien à découper, quoi. Moi, fair play, je lui dis qui m'a tué, je voulais dire bravo, franchement, t'as fait ta journée, quoi. Il répond pas. Ouais. En fait, je voulais juste lui dire, écoute, est-ce que t'as tout pris ou est-ce que t'as laissé quelque chose, quoi. Histoire que je sache si je fais un aller-retour pour rien, quoi. Bon, il répond pas, bon. À la rigueur, c'est son droit. Attends, je vais voir si je peux pas mettre... quelque chose quelque part, ça veut tout et rien dire, mais je vais jeter ça. Comme ça, je mets le couteau. J'ai pas envie de courir les mains nues. Bref. Donc du coup, il répond pas. Je lui dis ouais, le mec sur l'île, bravo, franchement, génial. T'as... Je sais pas ce que je vais avoir, mais je lui dis franchement, bah t'as fait ta semaine de farm, mon gars, bravo quoi. Il répond pas. J'y retourne à poil. Mais quand je dis à poil, hein, pas genre en orange, à poil, juste avec mes poings, quoi. Je traverse l'océan, quoi. Et le mec, il m'a pas vu, j'étais sous l'eau, il s'est assis devant moi au bord de l'eau pour récupérer sa stamina, quoi. Bon, évidemment, je sors de l'eau comme par hasard, j'ai même pas un gun, j'ai même pas une lance. J'essaie de lui parler avec le micro, ouais, salut machin, le mec il me tue. Il discute pas. Non, c'était, tu sais, des fois il y en a, ils te tuent. Et franchement, tout ce qu'il y avait, il pouvait pas prendre, c'était pas possible. C'était pas possible, franchement. Et je suis arrivé, franchement, je serais venu avec un petit gun à la con. Le mec, il était assis sur le bord de l'eau avec sa grosse armure, c'est JVN, je le voyais très 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 bien. En plus, il me met une balle de snipe, il me touche, mais il me tue pas. Ah, c'était incroyable hier soir. Incroyable. Incroyable. Bah non, mais après, lui, il a fait... Enfin, il y est pour rien, c'est le jeu. Enfin, il aurait dû jouer au loto, d'ailleurs, parce que... Pour vous donner un ordre d'idée, je n'y suis pas retourné depuis 10 jours. J'y vais une fois, 2h30 du mat, le mec, il est là. La grosse chatte monumentale, quoi. Et j'y retourne, j'aurais pu le buter, le mec était posé, il m'avait même pas vu, tu sais, il s'assoit au bord. Je sors de l'eau, il avait dû sursauter, genre putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'avais rien, même, j'aurais même pas pu le tuer. Ah, oh, mais de toute façon, moi je parlais parce que j'étais à poil, le mec, je l'ai vu full équipé devant moi, j'allais pas lui faire, j'allais pas le provoquer, tu vois. Incroyable. Oh, il a l'air en très bonne santé, lui. Franchement, bien comme il faut. Bref. Donc voilà, quoi. Donc non, je n'ai plus de chargeur.
Je n'ai plus de lunettes de barrette. Je n'ai plus de snipe. Mais j'étais tellement énervé. Mais tellement. Je me suis dit, putain, mais il n'y a que moi qui ai de la poisse comme ça. C'est pas possible, quoi. J'étais tellement énervé hier que je suis allé faire le bunker où on s'est fight en début de game. Et j'ai récupéré une autre lunette de barrette. Voilà, c'est le cadeau de consolation. Par contre, il faut que j'aille à tout prix essayer de faire les bunkers de seconde guerre pour en trouver un autre. Où je trouve des snipes. Là, du coup. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, avec celui-ci, ça me fait deux chargeurs d'AK. Ah non, mais je suis pas au top niveau tout court. Et là, j'ai un ACOG, c'est bien, je vais pouvoir le mettre sur l'arbalète que j'ai perdu. Donc en fait, je vais pas la mettre. Non, mais là, prochain live, je vais aller... Vous avez remarqué, je vous ai laissé la carte maintenant. Je vais faire le bunker ici, et je vais faire les demi-sphères, là, les baraques militaires. Je vais pas rentrer à l'intérieur. Mais je vais loot, on va faire un petit airfield, un petit base naval. Où se trouve des kits de réparation d'armes? Parce que maintenant j'ai un AS-BAL, j'ai 3 ou 4 AK, j'ai les chargeurs, je commence à voir ce qu'il faut. Là je viens de trouver un rail, il faut que je trouve comment réparer cette merde. J'ai 2-3 viseurs, donc je vais pouvoir bientôt avoir un AK. Sauf que... Je peux pas faire les balles. Eh ben ouais. Donc va falloir que je trouve des boîtes de balles. Ouais, j'ai déjà du mal à garder ma base intacte parce que je me suis quand même fait raid 2 fois de suite. Magnifique. Donc bon. Non, mais bon, là ça va, regarde. Je vais pas trop me plaindre, j'ai un MP5, j'ai des chargeurs, les balles je vais pouvoir les faire. Bon, bah j'aurai une petite automatique, c'est pas un truc de dingue, mais déjà avec un MP5, sauf si ça s'enraye à la première balle, tu vas pouvoir tirer sur des personnes, quoi. Bon, et puis ce soir, si je peux jouer, je sais pas à quelle heure, mais je vais pouvoir jouer, hein, je pense. Mais je ferai un live sur le nouveau jeu que j'ai acheté, là. Je vous donne pas le nom, demandez pas, je vous ferai une petite surprise. L'ambiance du jeu est excellente. Et il vaut mieux jouer la nuit que la journée. Attends, je vais prendre mon arme enrayée au cas où. Le problème, c'est que j'ai pas de stuff. Et du coup, j'avance pas non plus pour finir au moins la base et commencer à la piéger, quoi. Là, pour le moment, c'est open bar, quoi. Je crois qu'il y a rien là-dedans. Merci mec. Le Frenchie. Non, franchement, le C4, c'est pas vraiment problématique. Hein. Le problématique, c'est que. Et pour moi, il y a deux gros problèmes à Scub. Mais vraiment deux très gros. Oh, j'ai du stock. Hein. Je vais garder. Attendez, je vais faire ça vite fait. Faire un cadenas, je vais garder les lockpicks sur moi parce que je sens que je vais me faire raid cette nuit. Il y a deux gros problèmes pour moi dans Scum. Le premier... qu'est-ce que j'allais dire comme connerie? Ouais. Le premier, je trouve que... Il devrait rapidement, quand je dis rapidement, mais c'est une urgence, réparer le truc des blueprints pour détecter les mines. Ça, c'est la première chose. Voilà. Parce que t'as beau vous mettre plein de mines, les mecs, ils arrivent. Ils prennent le coffre. Voilà, et bon bref, je peux pas vous montrer parce que je dois finir tout ça. Et ils avancent, et ils déterrent, et puis des fois ils te remettent même les propres mines que t'as enterrées, et tu douilles quoi. Bref, ça c'est la première chose. Et pour répondre à la question du C4, franchement si tu mets 2-3 couches de mur bien espacées, ça suffit, ça tient. Le problème c'est pas là, c'est que les... non et voilà, il y a 3 problèmes. C'est que 1, tu peux espacer ta base et tu vas tenir le C4, il n'y a pas de souci. Pour les mines, ça c'est inadmissible. Et le pire encore, et ils disent qu'ils ont corrigé, mais en fait, j'ai vu que les développeurs de Scum, avant, ils tenaient un orchestre. Et beaucoup d'entre eux jouent de la flûte.
que quand ils nous disent que les anti-macros pour ceux qui lockpick, qui font sauter les serrures, a été corrigé. Voilà. Non, c'est pas possible. Non. Non, ça, c'est pas corrigé. Et ça, il y a des choses. Autant tu peux pas te battre contre le cheat, mais corriger ces petits trucs-là. Déjà, faites déjà ça. Franchement, ça serait. Bah oui, bah bien sûr qu'ils font de la flûte. C'est des gros mythos, quoi. Non, mais sérieux. Mais si déjà ils pouvaient corriger ça, ça rendrait un service énorme à tous les joueurs. Franchement. Mais bon. Bref. Oula, on va pas mourir ici dans le coin. De toute façon, je vais mettre un cadenas, il va sauter cette nuit. C'est pas très grave. Ah, bref. Voilà, petit coup de gueule en fin de stream. Hein. Et lui, il vient me voir au bon moment. En tout cas, je vous remercie à tous, mais vraiment à tous de venir. C'est vraiment sympa. On s'amuse, on rigole. Et n'hésitez pas à venir assez nombreux. Je vais vous valider la prédiction. Je crois que je sais pas faire encore. Attendez, bougez pas. Voilà, vous allez avoir votre cash. Qu'est-ce que tu voulais que je réexplique avant que j'aille? Ah, bah de rien, de rien. Bah du coup, il y avait une arme. Hein. Pour les serrures, le problème, c'est qu'il y a des macros, il y a des espèces de logiciels, je sais pas comment ça fonctionne, des raccourcis qui t'aident à faire sauter les serrures. Voilà. Et ça devrait être corrigé. Et c'est très embêtant que ça... sont encore sur le jeu depuis le temps qu'on s'en plaint, donc visiblement, et c'est pour ça que visiblement ils ont trouvé une solution il y a 2 jours, donc ça devrait je pense changer quelque chose. Après, le problème c'est combien de temps ils vont mettre pour le mettre en place. Ça c'est la suite du cours de flûte. En tout cas, je vous remercie à tous, vraiment, merci, merci, merci mille fois, merci de votre soutien, merci de venir régulièrement. Je vous dis à ce soir pour ceux qui veulent voir le live du nouveau jeu. Donc n'hésitez pas sincèrement à activer tout ce qui est notification, comme ça vous verrez quand je serai en live. Et puis comme ça, on partagera ce jeu ensemble, vous me direz ce que vous en pensez, c'est intéressant. Bon après-midi à tous, j'ai dépassé la durée du live de 40 minutes, c'est pas grave, je vais me démerder, 50 minutes même, et je vous souhaite une très bonne après-midi. Ciao les amis. Thank you.